Bonsoir et bienvenue pour une toute nouvelle découverte sur la chaîne sur Gotham Knights. Alors, je suis sur Xbox Series X et le jeu est sorti depuis un moment, je crois que ça fait un an maintenant. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire une découverte. Alors, ce sera pas un let's play, clairement. Mais ce sera une découverte, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Cette action, ouais, ok, donc de toute façon, j'ai jamais joué au jeu, j'ai juste fait une partie de sauvegarde pour voir si tout était bon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on va voir, alors déjà, je faisais la difficulté, hein. Pourquoi j'ai jamais joué? Bon, on va se mettre en moyen. Hein. Bon, privé. Ouais, du coup, pour ceux qui ne savent pas, dans ce monde-là, on est dans Gotham, mais il n'y a plus Batman. Ouais, tu vas voir, c'est plutôt cool. Enfin, plutôt cool. Façon de parler. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Et on est sur Xbox Series X. Hein. Pour information. Pouvoir me le cacher. Ta poudre aux yeux n'exemptera pas Gotham de son jugement. Trop tard. Cette ville reste sous ma protection. C'est moi qui vais t'achever. Tu résistes?
peut battre. Je suis éternel. As-tu réalisé l'honneur que je t'ai fait? Lazare n'aurait survécu même à ça. Contrairement à toi, je n'ai pas peur de mourir. Je préfère garder où l'humanité. Tu seras mort avant qu'il n'arrive. Ta précieuse famille. Je les égorgerai tous. Par. Et une fois qu'ils auront tous succombé, je réduirai cette ville en cendres. Ça n'arrivera pas. Gotham leur appartient désormais. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ceci est un code noir. Ce message s'est envoyé automatiquement quand j'ai détruit la Batcave et tout ce qu'elle contenait. Je sais que ce qui vous attend n'est pas simple. Vous avez tout donné. Je regrette qu'on en soit là.
criminels de Gotham ne tarderont pas à comprendre que Batman a disparu. Ne comptez pas sur le GCPD. Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim. Permission d'attaquer. Je vous laisse le beffroi comme quartier général. Le matériel n'est plus de première jeunesse, mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers. Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People. Un milliardaire charmant et souriant. Et c'est ce qu'il était. Mais c'était plus qu'une célébrité. C'était mon neveu. C'était un ami. Un mentor. Et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous. Je veux dire ceci. Bruce était Gotham. Il aimait cette ville plus que tout au monde. C'était un protecteur pour cette ville. Il travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice et l'égalité. Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé. Aucun projet qu'il n'aurait remis en question. Si c'était pour le bien de Gotham. Et en se souvenant de ça, on se remémore Bruce, tel qu'il était vraiment. Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous. Gotham est entre de bonnes mains. Bonne chance. Et adieu. Grosse, grosse, grosse intro. Comment va Alfred ? Ben, à ton avis. Il a mis 3 ans à se décider à prendre des vacances et Bruce meurt. Il lui faut du temps. Il savait qu'aucun de nous n'était là, pas vrai ? Et toi alors ? T'as laissé Jacob Kane faire l'éloge funèbre. Il l'a proposé. Il pensait que ce serait plus simple pour nous qu'il s'en charge. C'est l'oncle de Bruce. Putain de discours. Toutes ces histoires de protecteurs qui travaillent en coulisses. Si seulement ils savaient. Catherine ne serait pas là si elle se doutait d'un truc. J'ai un peu de mal à imaginer la commissaire anti-justicier présider les funérailles de Batman. Il y a autre chose qu'elle ne sait pas. Elle a le corps du meurtrier de Batman dans sa morgue. Ra's al Ghul est inscrit en tant qu'anonyme. Prêt pour sa crémation. Et si la Ligue des Ombres le trouvait ? Si elle dépose son chef dans un puits de Lazare, il sera plus si mort que ça. Si tu veux t'introduire dans les locaux du GCPD sur une supposition, ne gêne pas pour moi. J'ai déchiffré le dossier que Batman a envoyé avec son message. On devrait se concentrer là-dessus. J'ai tout analysé, mais j'ai bien tout ce qu'il fallait. On dirait qu'il manque une partie. Je crois que Ra's al Ghul l'a interrompu pendant qu'il écrivait. Il dit ça a des implications susceptibles de bouleverser tout Gotham. Inquiétant, mais pas vraiment utile. J'ai repéré quelques endroits à fouiller.
des chantiers, une carrière. Il a aussi parlé d'un docteur Langstrom. Vous le connaissez ? Il est zoologiste à l'université de Gotham. Mais je suis pas sûr de ce qu'il a à voir avec tout ça. On se répartit les tâches. On se retrouve au beffroi quand on a fini. Pour tout mettre en place. Qui veut parler à Langstrom ? Alors... Ok, là, il faut qu'on choisisse du coup le perso avec qui on va faire cette mission. Et j'ai envie de te dire... J'ai envie de choisir Nightwing. L'intro est vraiment phénoménale. Alors, j'ai eu un petit bug. On va se retaper l'intro ensemble. Hein. Enfin, l'intro. Juste histoire d'arriver au jeu. Le bug, j'ai mis un crash complet. C'est la première fois que ça m'arrive sur un jeu. Enfin, ça m'est déjà arrivé sur d'autres jeux, mais sur des jeux comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Trop bizarre. Alors, attends, j'espère juste qu'il faut pas tous retaper. Sinon, c'est chiant. Attends. C'est un truc de fou. Juste après la cinématique, au moment du logo, boum, le truc il a crash. Alors attends, on va vite le savoir de toute façon. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, je sais. Oh putain, j'ai l'impression qu'il faut tous retaper. Oh la blague du siècle. Ah non, c'est bon, continuez. Attends. Oh la vanne. Je te jure, juste après le logo, le truc il a crash. Un truc de fou. Alors... Bon, on est, je pense, après, normalement. En théorie, on est après. Bon, du coup, petite coupure sûrement sur la rediff aussi, parce que du coup, on est en live. Enfin, si j'arrive à la faire, c'est pas une coupure. Ou alors, vous aurez juste le petit moment d'attente. Bon, ça dure pas 30 secondes, je vous ferai peut-être un petit truc en mode chapitre. Professeur Kirk Langstrom. Batman a joint un dossier à moitié rempli à son code noir. Langstrom a dû être pris dans quelque chose de moche. Dans ce cas, je me prépare à toute éventualité. Ok. Voyons-moi un peu le gameplay. J'ai jamais joué, vraiment. Depuis sa sortie, j'ai jamais mis la main dessus. À part maintenant. Merci le Game Pass. Je me suis dit, vas-y, autant le faire, allez. Sur le Game Pass. Et autant le faire en vidéo. Si bien sûr le jeu ne crache pas tous les 10 minutes. Alors on a réussi à identifier le type de la fac. Kirk Langstrom. D'accord. Je transmettrai en allant à la morgue. Mauvaise nouvelle. Langstrom est mort. Est-ce qu'on sait où se trouve son bureau ? Il est mort ? Ça craint. D'après nos dossiers, son bureau est dans Woolton Hall, au troisième. Merci bien. Les portes de la terrasse sont ouvertes. C'est parfait.
gameplay avec du grappin. Et voilà. C'était nice. La police n'est pas restée bien longtemps ici. Langstrom a dû mourir ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Je suis venu pour le bureau de Langstrom. Je vais bien trouver quelque chose. Ici, ouais. Enfin, je pense. Peut-être sur le tableau, là. Attends. Ah, il faut maintenir, d'accord. Moi aussi, j'appuie une seule fois. Bah, qu'est-ce qu'on cherche, du coup? Pas trop ce qu'il faut trouver. Attends, si je viens... devant. Trop bizarre. Ça commence bien, tu vois. Je suis sûr que c'est sous mon nez. Mais je le vois pas. Là-bas, il y a un truc bleu, mais c'est pas ça. Attends, on fait une phase juste dehors. Peut-être que c'est dehors. Je suis venu pour le bureau de Langstrom. Je vais bien trouver quelque chose. Attends, il y avait rien avant. Que dalle. Non, non, mais c'est bien là-bas. Je suis venu pour le bureau de Langstrom. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Pas besoin de dire 15 fois la même chose. Forcément là. Tu vois, en plus, il me dit... Ah, mais là, regarde. Elles sont bizarres, ces traces. Je me demande qui les a faites. Je les ai même pas vu avant. Alors... J'ai rien de concluant pour l'instant. Je crois que je tiens quelque chose. Je rentre dans le labo par effraction. Ça te plairait, ça? J'ai toujours adoré les entrées par effraction. Même la nuit où t'as déclenché l'alarme? Pardon? C'était toi, je te signale. Je vais voir où mène cette piste. Sois prudent. Toi aussi. Bon, j'en déduis qu'il faut passer par là. Attends. Langstrom est mort ici. Le GCPD devrait encore examiner ce labo, mais bon. On dirait que Langstrom a été attaqué à son poste de travail. Il a perdu beaucoup de sang. Il a essayé de s'enfuir. Après quoi, son agresseur l'a cloué au mur. C'est violent. Langstrom est mort en rampant vers ce meuble. Pourquoi il n'a pas plutôt essayé de quitter le labo? Si déjà il n'arrive pas à marcher, va savoir comment est-ce qu'il peut quitter le labo. Ah. Waouh, une porte secrète. Que cachiez-vous, docteur Langstrom? Alors, didacticiel, ok. Donc là, j'imagine. Thermostat pourrait très bien jouer le rôle de pavé numérique. C'est la première fois que je vois un micro-ondes comme ça. Peut-être qu'il se contente pas de réchauffer des burritos. Le micro-ondes des savons de Langstrom. Elle ouvre peut-être la porte à distance. Bah voilà. C'est pas ça qu'il faut que je cherche, du coup? Non. Si ce film était important pour Langstrom, sa date de sortie pourrait être utile. Aussi, calendrier. Un numéro de téléphone. C'est pas l'indicatif de Gotham. Je prends note. Je pense que c'est à peu près bon, on a à peu près tout. Donc j'ai loupé quelque chose peut-être sur la droite. Non. Alors. Enquête. Ah non, il faut encore trouver autre chose. Regardez. Ah. Examiner scène de crime, ok. Ou si je... Non, ça je peux pas. Langstrom a spécifiquement entouré ses dates. Je vais les noter. Attends, je comprends pas trop leur affaire là. Parce que sinon j'enlève le marquage. Je fais ça avec ça.
ça marche pas. Donc si je fais ça avec ça non plus. Bon, ça peut que être ça alors. Avec ça. What? Déjà ça marche pas. Je comprends rien du tout de ce qu'il faut faire. Attends, c'est trop bizarre. C'est ça. Après, est-ce que tu pourrais dire autre chose? C'est ma question en fait. Non. Ah, ça va me rendre fou. Genre là, tu peux pas. Peut-être ça. Marqué. Ah non. Ça. Non plus. Bah, y'a rien qui marche. C'est comme si je sais pas. Passer à la solution. Oh, vas-y, je vais passer à la solution. Ça m'énerve. Je comprends rien. Ça a marché. Bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quel secret cachait le docteur. Ah, j'ai peut-être pas relié le micro-ondes au truc. Ok. J'ai tout fait sauf ça. Bon, on va dire qu'on l'avait trouvé. Hein. Droite ou gauche? Droite, pour le coup. Oula. Très glauque. En tout cas, ça fait vraiment bizarre de jouer à un jeu Batman. Bah, c'est dingue. Ah ouais. Oh bordel. Ils vont tous se réveiller. Je le sens. Le suspect de Batman menait des recherches très douteuses. Le bureau de Langstrom. J'ai vraiment cru qu'il allait nous donner encore un truc d'enquête à la noix là. C'est un disque dur. Pour le moment, ça va. Il y a peut-être des réponses dedans. Je dois l'apporter au beffroi. Eh, j'ai terminé ici. On peut pas dire que les flics se soient attardés. Ils ont loupé des traces bizarres sur les murs et un labo secret. Avec un disque dur encore plus secret. Génial. On se voit à ton retour. Oh, l'optimiste du mec, quoi. Tranquille, ok, cool, on se voit à ton retour. Sans plus. C'est bien, t'as fait du bon taf, tu peux rentrer à la maison. Bon, c'était quand même super calme. L'alarme incendie. Ça m'étonne un peu qu'il y ait personne. On m'arrête. Okay. Tiens, qu'est-ce que je disais, il y a quand même du monde. Alors, comment que ça marche? XXB, ok. Ok. Je vois le délire. Ah oh ouais! Les parias? Pas mal. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, sans la présence de Batman, les parias, les autres gangs s'en donnent à cœur joie. Quelqu'un doit leur donner une bonne leçon. Comment le tuer? Go! Tu peux faire des attaques. Empêcher ces parias de réduire la fac ensemble. On va se les faire. Crève. Et on se couche. Bien joué. Si je viens en arrière, en théorie, je peux faire une illumination sur petit. Ouais. Pas mal. Regardez-moi. Cher. Je peux faire ça toute la nuit. Il va peut-être se balancer par la fenêtre. Mais non. Attends. Vaudrait mieux rester caché. Les fumées te montent à la tête, mon pote. Ok. Salut toi. Bonne nuit. Allez, on va se jouer un peu infiltration. Et moi, je vais te casser la nuque, voilà, et la tête et le nez en même temps. Je te tiens, pauvre. Ah merde, là je suis repéré. Laisse-moi tranquille. Là je suis repéré.
Non, c'est pas compliqué. Vraiment pas compliqué. J'ai même pas eu l'occasion de faire une esquive. Alors, y a-t-il encore du monde là-dedans? Il y en a d'autres à l'intérieur. Salut! Attends, what? Comment ça marche? Ok. Alors, j'ai pas maintenu là pour le coup, j'ai juste appuyé. Ça ira sur le prochain mec. Tout le bâtiment va en haut. Je permets de me dépêcher. Des otages. Il faut que je me dépêche. J'arrive, t'inquiète. Alors, est-ce que je peux me mettre sur un truc en hauteur? Non, pas vraiment. Hop. Mais attention. Ah putain. Ok. Bon, ça va, les esquives sont plutôt pas mal. Attention. Il est dangereux. On se concentre. Mais non, je suis pas dangereux. Enfin, ça dépend qui le demande. Si ça continue, ils vont nous... Allez, tu vas crever. Tout de suite un peu plus costaud. Comparé au premier. Les commandes sont pas fous, je trouve. Vous êtes incroyable. Ouais, je sais, je suis toujours incroyable. Tu t'imagines même pas à quel point. Oula. Oh, tiens, un gros. Je me disais bien quand est-ce qu'on allait se taper un gros. Oh wesh, il est mastoc lui hein. Cassé. Et merde. Tant que tu nous casses pas, moi ça me va. On va voir si tu te casses aussi. Allez à la bruit, vite. Alors, comment est-ce qu'on se le fait celui-là? Tiens, X pour égalité. D'accord, pas le délire. Attention, dans le moment, voilà, j'allais dire, il va attaquer. Boum. Ok, attention. Bon, ça va, pour le moment, c'est assez dirigiste. C'est à peu près les mêmes mouvements. Allez, on va l'avoir. Tranquille. Oh, attention. Allez, encore 2-3 coups, ça va le faire. C'est nickel. Bon, ça va, il... Les secours arrivent. Pas très compliqué. Ça va toi? La nuit a été longue. Je vais rentrer avec le disque dur de Langstrom. Enfin. Alors, il va rentrer, ouais. Espérons que le jeu ne crache pas. Un truc de fou quand même. Toujours des temps de chargement. Il y a quand même 27 solutions. Hein. Enfin, les astuces et tout, là. Putain, je vais pas faire croire que le temps de chargement, il dure 10 minutes. C'est pour ça qu'il y en a 27. C'est abusé. Non, c'est bon. Ok, donc c'est un monde ouvert, je pense, hein, du coup. Comme dit, j'ai vraiment vu très peu de trucs sur le jeu. Aucune idée. Pêche du haut. C'est du petit héritage, ça, je le sens. Ça se conduit bien, ça a l'air d'être assez stable. J'espère que vous êtes prêts. Génial, ça fait une éternité que j'ai pas analysé des preuves. Fais une roue.
a un boost, quelque chose. J'ai couru un peu les boutons. Oh punaise, désolé. En même temps, faut pas rester sur la route. Hein. Ok. Ouah. Alors, c'est stable. J'ai l'impression que c'est lourd. J'ai pensé au Batman Arkham. Que j'avais pas fini à l'époque. Je me souviens. J'avais joué un peu. Alors, j'avais fait une bonne moitié du jeu, je crois. Comme ça. C'est vrai que j'ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais terminé. C'est vrai que ça peut être aussi un jeu à faire en vidéo. Mon roi air descend. C'est vrai, ouais. Ok. Bon délire. Ça c'est assez beau. Ah merde, c'est moi qui chasse. Merde. Oh ça. Accélère. Je peux pas aller plus vite. J'ai pas de. Merde. Oh le con. Oh le con. Je vais sortir les touches. Oh le con. Wouah! Ouais, c'est bon. Les citoyens, ils ont rien à faire. Ah, c'est même une. Tranquille. Et moi, en attendant, je suis en train de me faire pourchasser par les flics. Ouais, attention. Oui. Oh, le bug de son! Putain, le jeu, il est encore bugué depuis sa sortie, quoi. Bonne petite mission. C'est pas foufou, mais ça va. Par contre, si je fais pas continuer, ça marchera pas. C'était bien joué de ramasser le disque dans le labo de Langstrom. Est-ce qu'on a une... Alors, on retrouve la bande. Quand on aura toutes les données, on pourra décider de la suite du programme. Je me casse. Je vais pas rester là à attendre. Attendre je sais pas quoi. On attend des données, Jason. Quand on les aura, on partira. Bouge. Je vais régler ça à ma façon. Fais pas ça! Il voulait qu'on résolve ça ensemble. Si tu le dis. Mais ça complique les choses pour rien, petit. Ben, je le dis. Bon, et ben, comme on est obligé d'attendre, on a qu'à jeter un œil aux infos que Bruce avait sur Langstrom. Merde, ça doit être le deuxième disjoncteur. Le principal a sauté il y a des mois, celui de secours devait tenir. Je m'en charge. Inutile. J'ai bricolé quelque chose qui devrait tenir un petit moment. Je suis content que vous soyez là, Alfred. Je serai toujours là si vous avez besoin, Maître Richard. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Maître Tim. Cet endroit a besoin d'un rafraîchissement. Merde, il y a des alertes partout, dans toute la ville. Cool. On va devoir suivre mon plan, alors. Attendez. Il nous faut quand même les données. Et Alfred ne peut pas vraiment préparer cet endroit tout seul. En effet, Mademoiselle Gordon. J'ai une liste de matériel à trouver.
Je pourrais m'en charger seul, mais ce serait plus rapide avec de l'aide. On va se répartir les tâches. Comptez sur nous, Alfred. Finissons ce que Bruce a commencé. Alors... que je dois faire? Hey, Tim, c'était comment la carrière? Pas super. J'ai fouillé toute la zone, mais j'ai rien trouvé. C'est vide depuis des lustres. Comment on est censé prendre du recul sur un puzzle dont on n'a pas toutes les pièces? Bruce nous a laissé un dernier mystère de taille. Sérieux, quel genre de personne construit un labo secret dans son labo? Quelqu'un qui a quelque chose à cacher, visiblement. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Et de qui il se cachait? Ne nous avançons pas trop. On va d'abord voir ce que le disque dur peut nous apprendre. D'accord. On aura bientôt plus de réponses. Yep. Alors... les points de capacité. On se cache pas points de compétence. Hein. effectue une esquive parfaite. Hein, ok. De toute façon, c'est la seule qu'on peut acheter. Ouais, c'est ça. Esquive parfaite, du coup. Petit succès. D'ailleurs, je sais pas du tout si vous les voyez, les succès. En théorie, non. Je sais pas comment est-ce qu'on les active. Alors, attends. D'accord. Du coup, on a des capacités pour tout le monde. Équipement. Ou c'est une capacité groupée pour tout le monde. Je sais pas. J'ai eu. Comment tu fais maintenant? Admettons pour commencer une mission. Tu sors dehors? Attends, je vais juste revoir là sur le petit panel parce qu'ils sont tous là en fait. Peut-être là en... carte. Attends, dossier. Ok. Entraînement. Ça s'en fiche. Tenue. On a deux. Non? Ah non. Base de données, message. Ouais, non, je sais pas. Faut sûrement en sortir. On va vite le savoir. Vas-y, commencez à patrouiller dans le. Bah, non. J'ai un peu perdu. Comme toujours. Attends, c'était quoi déjà la flèche pour scanner? Ah, mais d'accord. Non. Non mais je l'ai pas là en fait. Non mais y'a un truc à faire avec ça. On voit de l'ordinateur. Là on a la carte. Merde. Attends, y'a peut-être un truc à sélectionner sur la carte. Pas vraiment. Ah, elle... ah ouais, elle est quand même assez grande. Ça va. naviguer, retour. Disque. C'est ça qu'on est censé faire en fait. Objectif. Terminer au préparatif. Puis quitter le. Buffon pour un patrouille. Tion, plus votre quête. Ah, mais d'accord, oui, donc il faut quitter la base. Ouais, ouais, ouais. Ça. Attends. Oui. Donc on accepte. Et en théorie, ils vont nous lâcher sur le monde ouvert. Ils vont dire démerde-toi, va chercher tes trucs. Non, je pense pas. Et moi, j'espère pas. Eh bah, si. Ok. Du coup, je dois faire quoi là? Attends. Non. Trop peu de touches. Ok, faut rester maintenu. Carte de Gotham City, ça j'avais bien compris. Mais le truc, c'est que maintenant, la mission principale, c'est quoi? Attends, patrouille, ok. Donc ouais, il faut juste faire des crimes de base. Je pense. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi le plus proche? 89 mètres, 189, 109. Bon, on va laisser celui qui est juste là. Alors par contre, tu peux sauter? Ouais. Entre autres. Merci. Alors c'est censé être là-dessus. Enfin là-haut. Ça vient, attention.
Bonsoir. Viens, Monsieur Nightwing. Salut, toi. Ouais, c'est Nightwing. Et là, ils n'ont pas proposé de changer de tenue, par exemple. De perso. Je crois que c'est plus sur des missions... J'espère que tu supportes. Enfin, des missions principales à haut, jeu, je pense. Let's go. Alors, est-ce que t'avais quelque chose pour moi, toi? Que dalle. Ah, mais il faut peut-être faire, en fait, les différents crimes qu'on a là. Ouais, peut-être. Ah ouais, tu peux glisser, ok. Par contre, je comprends pas trop, t'as quelque chose pour planer? Un truc comme ça. Alors là, on a un repère. Bonsoir. Hey, regarde. Ouais, regarde. Tu dis. Alors du coup, pour la vie, je sais pas si on récupère de la vie en mode... faut attendre ou alors faut récupérer des trucs. Lui, il est un peu costaud. Hein. Tu crèves, à ton tour. J'ai pas signé pour cette connerie, moi. Ok. Bah alors dégage. Allez, hop. Lui, il est plutôt nul. Attaque SP. Nice. Ici, alors attends, est-ce que j'ai un truc? Heureux d'annoncer que nous sommes pleinement opérationnels. Cependant, avant de rentrer... On a quelque chose, Beffroi? Le disque dur du laboratoire de Langstrom requiert une clé de biodécryptage. Autrement dit, quelque chose qui serait dans son corps, qui est à la morgue. C'est exact. Étant donné les nuits à Gotham en ce moment, ça devrait être calme au commissariat, relativement. Ça tombe bien. Je voulais savoir comment Montoya s'en sort avec la nouvelle commissaire. Je vous dirai ce que je trouve. Et donc il faut qu'on se rende au commissariat. Je vais descendre. Enfin, là on monte, en l'occurrence. Et il faut plutôt descendre. Je voulais aller sur une route, mais... pas le bon chemin. Alors, appelle la moto. Prends la moto. Ouais, c'est vrai. Encore et toujours. Alors je me demande est-ce que dans le jeu tu vois des missions, enfin des méchants. Je crois qu'il y a des couilles, il me semble. J'avais cru voir ça dans les aperçus du jeu. Donc est-ce que tu vas avoir vraiment des méchants type tu vois le Joker et tout? Je sais pas du tout. Ce serait incroyable. Hein. Alors on va monter. Grosse nuit pour le GCPD. Au moins, ce sera plus simple d'entrer au commissariat. Eh ben, j'espère. Non, ça craint. Attends, parce que je rentre par où, moi? Ouais. Ah, par là. En fait, j'ai l'impression que non, il se casse la gueule et puis c'est tout. Hein. T'as pas vraiment un truc pour planer ou des câbles, enfin, de toute façon on a pas de câble. Ok. Je serais mieux d'aller voir. C'est bon, je te couvre. J'ai quelqu'un ici. Merde. Vous faites pas repérer, bah, trop tard. Je vais tirer. Allez, ouais. Ils vont crever. Ouf, attention aux balles. Alors est-ce qu'on peut se cacher, genre tu pars? Est-ce qu'ils peuvent nous perdre de vue? C'est un peu ma question aussi. Merde! Mais quoi, j'ai fait du skip! Pas du jeu ça. Bon, on se sera fait repérer, c'est pas très grave. Essayons d'être plus discret pour les prochains. C'est un truc de fou qu'il y ait des temps de chargement de partout quoi, c'est abusé. C'est chiant! Sur les nouveaux jeux, t'as même plus ça quoi. Bon, après, c'est pas un jeu. J'imagine bien que l'accueil va pas me dire où est le Xbox Series PC. La morgue est de l'autre côté des bureaux. Faut pas que les flics te voient dans les barrages. Ah bah, moi et la discrétion, ça fait zéro. Attends, mais je vais où là?
Je suis dans la salle de sport. Par là qu'il faut aller ? Il doit y avoir un autre moyen de passer. Ouais. Ah ! Salaud de paria. C'est bon pour Spider-Man. De ma fille, ça. On en a quelques-uns. Quelqu'un veut ramener le corps de Monsieur X ? Un grand type assez bizarre. Non. Merde. Monsieur X ? C'est pas le mec dans les intimes, ça ? Alors, des personnes. Il serait grand temps de vous ressaisir, inspectrice Montoya. Sévir ? Je pars, je vais bien au boulot, commissaire. Ah bah, apparemment, elle est pas en bonne position. C'était de elle qui parlait tout à l'heure. Alors. Oh, punaise. Soyons discrets. On brochait les riches avec des piments. Ferme ta gueule, dégénéré. Dégénéré. Attends, lui, il faudrait que je l'esquive parce qu'il faut aller en haut. Là, comme ça. Quel. J'ai une oreille qui a poussé sur les coups. Attends, c'est quoi ça? Pas de Gordon, pas de Batman, pas besoin du pas de signal. Et... Alors, l'objectif est là. Merde. Mais putain. Ah, les contrôles sont pas ouf. Vraiment pas ouf. La morgue est quelque part de l'autre côté des bureaux. Ce ne serait vraiment pas le moment d'être repéré. Merde. Ça va aller là ? Ils ont quitté la scène de Langstrom super vite. Les barrières sont arrivées. C'est fermé à clé. Il doit falloir une autorisation. Quelqu'un doit avoir une clé. Le sergent en service, peut-être. Ici, on s'attarde pas. Si tu veux jouer... Génial. Faut changer de vie. En haut, y'a rien. Aïe, aïe, aïe. On va devoir neutraliser des gens. Mais il a des ans. Et se faire opérer. Son cam. Voilà la crème du GCPD. Eh ben. Désactiver les caméras ? Ah ouais. Parfait. Alors. Ça aide un peu là où il y a des gens. Pas mal de monde. Putain, c'est juste là. Mais vas-y, saute! Un truc de fou! Ah, te voilà. Bon. Allez, on se taille. On écoute. Savoir, c'est pas faire repérer. Pour une fois. Oh, quelqu'un a assommé toute l'équipe scientifique? Reste en alerte. Ouh, il est vivant. Le fameux Mr. X. Ah, le fameux. Beffroi. Le ghoul est ici. Super. Fais très attention. Tu ne peux pas me battre, tu le sais bien. Mon bien-aimé a été bon maître. J'imagine qu'il t'a dit de ne pas revenir à Gotham. Je me moque bien des volontés d'un mort. Et puis, je suis là pour réparer ce qu'a fait mon père. En éliminant le démon lui-même. Ça va être difficile de ramener Ra's al Ghul s'il t'en sort. Même un puits de Lazare a ses... Attends. Pourquoi il en voulait à Bruce ? Ah.
les ninjas. Un vent, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Langstrom, la légiste a peut-être trouvé quelque chose. Tu cherches une clé de biodécryptage. Oh non. Pas ça. Pas ça. Je ferai pas de blagues sur Frankenstein. Le sang devrait plutôt être utile pour le biodécryptage. Ouais. Attends. C'est pour jouer à un jeu en ligne ? Non. C'est pour mesurer le taux de glycémie. Langstrom était diabétique ? Ça y est ? Non. Putain, je sens qu'on va encore galérer. Indice. Ça va vite me saouler sinon. Alors, ça va encore être un indice à... Ouais. Ça m'aide pas des masses. Hein. Ça doit être un supplice d'être allergique aux fruits de mer. Mm-hmm. Et ah, je me demande si le GCPD a mes empreintes. Attends, il faut que je le fasse correspondre avec quelque chose, du coup. Avec ça, peut-être. Non. Avec le téléphone ? Non, attends, ça je pouille pas. Avec ça et ça. Merde, attends. Marqué. Ah merde, c'est soit l'un soit l'autre. Ok, je vois le délire. Je peux le faire avec quoi du coup ? Ça, on avait dit que c'est mort. C'est dingue qu'on puisse mesurer l'oxygène dans un doigt. Non plus. Ça y est. Non. Oh, c'est forcément un de ceux-là. Hein. Mais là, tu peux pas, regarde. Si, il y a lui éventuellement. Attends. Bon, j'essaie ça et ça et ça marche pas. On passera. Non. Bon. Eh ben, je sais pas. Heureusement qu'ils mettent un truc pour passer. Bah, c'est... Je suis sûr, regarde, ça va encore être un truc évident. Et voilà, pleine gauche. Il a caché les données dans un détecteur de glycémie qui reconnaît son sang. Bien, c'est qu'il le dit, hein. Il le dit. Il parle du doigt et tout. Ah. Beffroi, le GCPD sait que Talia est venue. Je dois sortir d'ici. J'y travaille. On va trouver une issue. Attention, ces types sont armés jusqu'aux dents. Heureusement, je sais contourner les systèmes du GCPD. Désolé, mais ça va être tout noir. Oh, bien joué. Je me tiens de là. Ouais, par là ? Ouais. Entrée sécurisée. Dispersion ! Trouvez le suspect. Allez ! Il est forcément dans le coin. Alors, j'imagine qu'il faut pas se faire repérer, comme d'hab. Par contre... en hauteur. J'ai dit en hauteur, vite. Vaut mieux que j'aille voir. Il y a que dalle, t'inquiète pas. Oh. Sauf. Ok, donc on a des loots. Oh oh. J'avance. Beffroi, je sors du commissariat. Merci pour le coup de main. Pas de quoi. J'ai hâte de voir ce que t'as trouvé. Cherchez encore, il y a quelqu'un. Ok, donc ouais, ils peuvent te perdre de vue. Dans l'interrogation de tout à l'heure, du coup. En vrai, ça va, le jeu est plutôt complet. Même si... je sens qu'il est un peu limité. Hein ? Oh merde ! Le GCPD m'a vu. Bon, soyez prudent, monsieur. Il ne faudrait pas érafler la peinture du Bad Seigel si vite. Non, on veut pas de ça. T'inquiète, je gère. Je gère la poudre. Je fais même une roue. Ça sert à rien.
T'as l'impression même que tu vas encore moins vite. Par contre, t'as fait une roue. Oh. J'ai failli prendre le mur. C'est bon. Ah, what? Ah, faut s'arrêter dans le truc d'eau? Ouais, je pense, hein. Attends. Non. What? Ça marche comment? Je pige pas. Attends, accélérer. Descendre. Faut que je descende? Ouais. C'était pour ça. Nuit 1, du coup. Ok. Comment ça, zéro crime? J'en ai fait un. C'est quoi le délire? D'accord. T'as les récaps de tes journées. Voyons. Bon, des notes de labo, des formules, des rapports financiers, des recherches sur la surdité et des expériences sur des humains. On dirait des paiements en cash aux volontaires. Je reconnais certains de ces types. Ils font tous partie d'un gang. Alors Langstrom faisait des expériences sur des criminels. Vous m'étouffez. Mademoiselle Gordon. Le système holographique fonctionne à nouveau depuis ce matin. Ça tombe à pic, Alfred. Hey, j'avais oublié que t'avais un super matos. C'est une antiquité, mais ça fera l'affaire. Vous et Maître Bruce êtes les seules personnes capables de considérer le matériel du Beffroi comme une antiquité. En faisant des recherches sur Langstrom, j'ai aussi réuni tout ce qu'on avait sur... notre casseuse d'ambiance. Talia Al Ghul. Maître Bruce et elle faisaient la paire à de nombreux niveaux. Sa présence à Gotham est inquiétante. Sans compter qu'elle a cramé le cadavre de son père. On est bien sûr que c'était Ra's al Ghul. Il y a son ADN partout sur l'arme qu'elle a laissée. Je me demande pourquoi elle n'a pas tenté de le ressusciter dans un puits de Lazare. Eh bien... Batman... irait poser la question à Talia en personne. Bonne idée. Ouais... Je pourrais encore analyser le kunai de Talia pour trouver quelques traces à pister. On devrait aussi aller en ville, pour voir si quelqu'un en voulait à Langstrom. Cool. On va briser des crânes. Il y a de nouvelles infos sur le tableau d'épreuve. Comment le jeu de Joe, il a l'air super beau. J'aimerais bien voir ce que ça donne en plein centre-ville. Mais bon, vous savez quoi? Là, on va s'arrêter là. Bon débarras. C'est, on a fait une bonne grosse intro du jeu et tout. C'était vraiment pas mal. C'est classe, tout avec ses costumes. Vraiment cool. Tu crois que c'était de la miséricorde? Ah ouais, donc c'est là que tu choisis, d'accord. Mais c'était pas sa miséricorde. Attends, fais voir. Redo. Confirme. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, comme dit, sur ce, on va cesser là. On a fait une bonne grosse découverte. C'était vraiment pas mal. Si vous voulez qu'on se fasse un deuxième épisode, vous faites le moi savoir dans les commentaires. Alors, je pense pas le faire en let's play, hein, vraiment. C'est pas un jeu qui me donne vraiment envie de le faire en let's play. Il a l'air cool, hein. Je pense même le faire peut-être de mon côté, comme ça. Mais quand je fais des jeux en let's play, c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup, on va dire. Allez. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Activez la cloche. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. C'est dommage qu'il soit mort. J'aurais bien aimé savoir.